Salut à tous, ici le docteur et on se retrouve avec oh déjà des méga lags, désolé, j'ai oui. Et déjà vous pouvez voir que j'ai un skin grâce à la nouvelle mise à jour de Dalek Mode, donc du coup je serai avec ces skins plutôt qu'avec le livre de River, ça fera de la place dans l'inventaire. Voilà, donc je suis ce huitième docteur, enfin pour changer de celui de la dernière fois. Et donc on va faire pas mal de trucs. On va faire pas mal de trucs déjà, et j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait un peu de hors caméra. Et donc, quand vous voyez pas mon armure, tant mieux quand je ferai le F5. Et ça, c'était juste un autre truc parce que j'ai vu, regardez ça. Donc, regardez tous les Lucky Blocks que j'ai pu créer, je les ai tous mis à 100. Donc, j'ai fumé, mais vraiment fumé, tout le fer. En sachant que, en plus de tout ça, j'ai récupéré le fer qu'il y avait ici, parce qu'il y avait 9 blocs de fer ici, et 9 blocs de fer ici. Ce qui nous fait 18 blocs de fer fumé. Et encore, j'en ai fumé d'autres parce que je suis allé dans les grottes. Mais bon, ça c'est un léger détail. Enfin, si, quand même, j'en ai récupéré à peu près, ouais, pas tout à fait. Si, plus d'un stack, j'ai récupéré plus d'un stack de fer après, quand j'ai parti miner. Bref. Donc nous avons tout ça. Ces trois gemmes, je connais pas leurs attributs spéciaux, donc je vais créer une épée avec. Une épée custom avec au moins. Enfin, trois épées. Ouais, trois épées custom, donc je sais pas pourquoi j'ai pris quatre sticks, s'il m'en fallait que trois. Mais bon, on s'en fout. Ça, ce sont des Lucky que je vais mettre, et puis voilà. J'ai créé, vous vous souvenez de mon épée là qui avait No Fall Damage? Je l'ai améliorée, je l'ai appelée Epnir. Pourquoi Epnir? Pour penser à Mjolnir. Pourquoi Mjolnir? Parce que je veux balancer des éclairs autant que la foudre et que Thor le magnifique. Voilà! C'est magnifique. Bon, ça m'enlève quand même 2 d'utilité, donc sur les 250, parce que c'est qu'une épée en fer, ça fait quand même beaucoup. Et je l'ai enchanté, Sharpness 3, recul 2. Tranquille, pareil que là, Sharpness 3, recul 2. Level 30, j'ai enchanté. Et le truc positif, c'est que, bon, déjà j'ai le No Fall Damage, mais ça peut servir de hache. Donc, comme ça, je n'ai plus besoin de prendre ma hache, que d'ailleurs je n'ai plus. Voilà. Tournevis. Ah, faudrait que je me fasse les autres tournevis pour le prochain docteur. Et pour les prochains aussi. Mais bon, ça, c'est aussi un léger détail. Donc, je me rends compte qu'on est bientôt à la fin. Bientôt à la fin de la série. Enfin, bientôt non, parce qu'il faut encore que je tue le dragon. Mais bon. On avance, on avance. Je vais plutôt me garder celui-là parce que c'est une épée en diamant donc il y a plus d'attaque. Ça, on va se le garder tout de suite. On va se prendre tous les Lucky Blocks. Et je le sens mal parce que les Lucky Blocks c'est jamais très positif, même quand c'est à 100%. J'espère tomber au moins sur les yeux pour en avoir le plus possible. Une Lucky Sword. Parfait. Enfin, parfait. Non, pas si parfait que ça en fait. Donc, cette Lucky Sword, je la filerai peut-être à un villageois qui est soldat, bien sûr. Attention! Bottles! XP à l'infini. Ça tombe bien, j'avais plus de level 30. Vu que j'ai utilisé pour enchanter mon épée. Voilà. Ça, là, il y a un truc positif. 16 level. Voilà, gagné d'un coup. Et, attention, le coffre. Pouh! Des Lucky schématiques. Donc, ça, ceux-là, on les fera tous de suite après. Enfin, de suite après, voilà. Le name tag, le fer, je le prends parce que j'en ai plus. Le seau de lave, le reste, après, je verrai plus tard. J'ai cru voir un creeper là-bas. Non, c'est les cannes à sucre. Attention! Plastron en diamant. Ouais, pourquoi pas, parce que celui-là il est mort. Et vous remarquerez aussi que mes jambières ont tout nouveau de la vie, parce qu'une fois que j'ai fait un échange avec un villageois, que j'ai voulu lui donner une épée, ça fait crasher Minecraft. Donc ce qui fait que j'ai perdu mon plastron, je sais pas pourquoi. En fait j'avais récupéré, il avait dans son inventaire, il avait mon plastron et mes jambières. J'ai pas compris en fait comment ça se fait. Du coup quand j'ai repris mon plastron dans mon inventaire, et quand j'ai repris les jambières avec le curseur, quand je les ai pris comme ça, à ce moment-là ça a crashé, donc du coup je les ai perdus. Voilà, l'armure pour cheval, je prends, mais je n'en aurai pas besoin. On prend d'autres Lucky Blocks. Attendez, avec celui-là, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Hop, une Lucky canne à pêche. Solidité 3, à pas 1. Bon, pas si Lucky que ça. Du poisson. Ah si, très Lucky en fait, la canne à pêche. N'importe quoi. Le poisson, je n'en aurai pas besoin. Poisson clown, quelle différence entre les deux? Je ne sais pas, pourquoi pas les stacker. Saumon cuit, saumon cru. Et de la canne à pêche. Okay. Ensuite. Ouais! Le jackpot! Enfin! Bon, on a le jackpot, c'est déjà ça. Ouais, bah ça tombe bien, on pourra se refaire une autre armure en diamant. Avec bah, le casque et les bottes, ça fait 9. Il me reste déjà 9 dans mon inventaire, dans mon coffre. Donc ça en fera 10 avec celui-là. Voilà, on va changer. Lucky Villager.
D'accord. Mais sauf que je ne peux pas. Les Lucky Villagers, ça sert à rien, donc follow me. Je vais tourner au village. Ah oui, au fait, j'ai recréé cette maison. Et du coup, il y a eu un peuple de villageois pas possible. Je crois que c'est ça qui m'avait fait cracher. Du coup, j'en ai buté ceux qui n'étaient pas utiles. Ouais, je sais, je suis comme ça, je bute ceux qui sont pas utiles. Voilà. J'ai fait du rangement dans mes coffres, vous verrez aussi. Mais bon, ça, on s'en fout pour l'instant. Alors, encore un autre Lucky Block. Matériel redstone, tu peux dégager. Et un casque en diamant. Bon, bah. Voilà. Super. J'ai un nouveau casque, j'aurais même plus besoin de crafter que les bottes. Il y avait bien un creeper. Il y avait bien un creeper. Bon, c'est pas grave. Il m'a rien fait. Il m'a juste cassé la torche. Fais chier, quoi, ma torche. Hop. Voilà, tout ça, tu vas pouvoir cramer. Ah bon, on va le faire cramer avec mon. Mon épnir. Disparaît. Voilà. Ça a littéralement disparu. Non, mauvais bouton. Tout ça, je vais le laisser là. Ce sera le coffre pas utile, mais ressources à prendre en cas de besoin. Je fais un coffre ressources en cas de besoin. Voilà, c'est comme ça. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ça, on va le laisser là. Ça, on va le laisser là. On va prendre ça, ça, ça et ça. On va aller voir nos vaches. Ou nos chevaux. Ou les Daleks. Non, peut-être pas les Daleks. Ça fait beaucoup. Le cheval, là. Ok, celui-là je l'ai déjà. Ça c'est pour le son éclair, ça je ne sais pas. Donc ça c'est pour Fire Resistance. Ah, c'est pas mal ça pour aller dans le Nether. Je m'en ferai peut-être un truc. 300 ult schématique, ça sert à quoi ça? Ok, et là nous avons le right click pour faire un éclair. Bon, ok, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je me suis prévu aussi de quoi faire 3, même 4, 4 épées en obsidienne customisées. Donc on va se faire des épées en customisé. Il nous faut déjà ça. Il nous en faut 3. Non. Il nous faut ensuite ça, deux obsidiennes et un stick. Voilà, c'est comme ça. 3. On va la une. On va la 2. On va la 3. 3 épées d'obsidienne. Alors, oh là, je suis trop plein. Donc là j'ai mis tout ce qui était outils, donc le seau, l'épée, la pelle, je me la garde. Celui-là en fait j'en aurais plus besoin pour l'instant parce que regardez il est pratiquement mort. Donc right click pour faire une boule de feu, j'en ferai peut-être un autre si jamais j'ai besoin. Je sais pas si on peut les fusionner avec par exemple celui-là et ça va faire un truc, je ne sais pas, je pense pas. La canne à pêche on peut la virer aussi. Là il y a les ressources, vous remarquez là il y avait le fer, bah je l'ai fumé hein, bien sûr. À 14 on pourra se faire un autre Lucky Block. Voilà. Ah bah tiens, j'ai retrouvé du fer du coup. Voilà. On peut ranger le papier. On peut ranger l'obsidienne de l'autre côté. La cobble aussi. La terre aussi. Et les épées, on va s'en charger maintenant. Ça, on va laisser de côté. Et ça, on prend. Bon, alors. Là, on va se faire ça avec une gemme. On va mettre la hard gemme. Nouvelle gemme, je crois, que j'ai jamais vue. Ok. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Auto-heal if charged. Oh! Ah, c'est pas mal ça. Mais le pourcentage est très long. D'accord. Ok, la hard gem. Bon, d'accord. La physique gem. Physique gem. Right-click to téléporte. Pour me téléporter? Ah. Ça peut être intéressant. En fait, on va garder toutes les épées. Comme ça serait bien. Wow! Hard gem mini fatigue, mais il y a strength. Strength combien? Je ne sais pas. Strength 1. Et Trabit. C'est quoi ça? D'accord. Oh oui, la taille de la sword. Regardez ma big sword! Énorme. Et je peux pas taper parce que j'ai le skin, il est comme ça, on peut pas taper. Mais bon, c'est pas grave. Ok! Ma big sword! Yo les gens! Est-ce qu'il faut se sprinter pour marcher normalement? Ok! Et ça nous téléporte à des coordonnées. Ouais, mais j'ai déjà le manipulateur de Vortex pour ça. Bon, on va quand même se le mettre. Là. Ou comment ça marche?
Sneak right click to set. Hop. Voilà, et right click to teleport. Donc en gros, si je fais le 100, il est à 100%. Ok. Donc en gros, si je vais ici et que je fais clic droit. Wow! Ah oui, c'est violent! ouais, en fait, non. Le mieux, ce serait même qu'on se mette à côté là où il n'y a pas de mur. Parce que sinon, on va. Hop, comme ça. Voilà. Voilà, et là maintenant, il faut attendre que ça charge. Ok! Eh ben, c'est plutôt bénef. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Du coup, on va essayer les parchemins. On va essayer les parchemins. Right-click to lightning, on va éviter là-dessus. Là, il y a le auto-heal. Il faut charger. D'accord. Donc là, on a, vu qu'on n'a pas besoin de faire un clic droit, je crois. Ouais, je pense pas que ça sert à quelque chose de clic droit. Oula. Voilà, c'est mieux. On va te foutre comme ça. Et du coup, voilà, le deuxième qui va foutre un éclair. Attention. Mais ça avance. C'est une longue portée ou pas? Non, pas très bien. Ce qu'il faudrait, c'est que je me mette sur le toit de quelque chose. Oh, j'ai cramé un chien. Bon, c'est pas grave. Il m'a pas servi de toute façon. Ok. Non, dégage. Viens foutre le feu. Voilà, je t'emmerde. Ok, et ça a 2500 d'utilité. Ah ouais, d'accord. Ah, sans pression. Ok, ça fait, c'est pas aussi mal, ça fait pas aussi mal que le diamant, mais quand même. D'accord. Bon bah, j'aime bien les, j'aime bien cette épée. Celle-là, je vais par contre la donner, mais je vais lui mettre quelque chose, un attribut qui pourrait être intéressant. Je ne sais pas encore quoi, mais on va trouver. Shulk hit schématique. Ok, ça paraît être intéressant. Le fire résistance, ça peut toujours servir. Et le 300 hit sismique, on l'essayera là-dessus. Ok, donc on va leur mettre un fire résistance là-dessus. Ouais, donc après là on a fire résistance, force, fatigue, lenteur. Pff, sans pression, on a tous les effets du monde. Plus la pomme sheet, ça fait énormément de choses. Et la 300 hit schématique, ça va faire quoi alors? 300 hit schématique. Est-ce que... Ah mais non! Ah mais c'est juste pour le design, ça fait rien de très... Bon, pas grave, pourquoi pas. Dans les lames, qu'est-ce que nous avons maintenant? Donc ça, on peut le proposer. Nous allons prendre ça, parce que ça va nous servir. Dans les lames, nous avons le right click là-dessus, work like an axe. Ouais, dans les lames, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a le strength 2. Je vais être une idée. Donc ça, en fait, c'est moi qui vais me le garder. Mais pour la fire résistance, j'ai une idée. J'ai envie de mettre ceci. Et vu que celle-là, je vais la donner en fait, je vais mettre aussi ça. Celui-là, je vais la donner parce que c'est une épée qui a de la gueule, qui fait très mal aussi. Bon, elle a quelque chose de pas terrible, enfin des mauvais effets, mais c'est pas grave. Ah, au fait, je vais vous parler un peu des villageois. Ouais, ils sont en train de poutrer. Ils poutrent quoi là? Ah, d'accord. Je vois. Oh, mais dégagez. Voilà. Clara, je te donne ça. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait des... Enfin, les villageois, ils ont de nouveaux... Enfin, il y a de nouveaux villageois, surtout. Vu que j'ai eu un repeuplement énorme. Il y en a certains que j'ai mis avec... Wouah, je lag. Il y en a certains que j'ai mis avec un... en tant qu'archer. Mais le problème, c'est que en tant qu'archer, il leur faut des flèches. Et comme j'ai pas une ressource infinie de flèches, je peux pas toujours les mettre en archer. Oh, laissez-moi passer devant. Voilà. Allez-y, vous pouvez sortir. Moi, je vais torcher un peu ici pour éviter qu'il y ait des mobs qui spawnent et qu'ils aient toutes les 2 minutes envie d'aller fighter le zombie là-bas. Vous tous. Allez, vous montez. Voilà, donc vous pouvez arrêter de me suivre et arrête de me suivre. Toi, tu vas me suivre. Voilà, merci. T'as un peu glitché dans le bloc, mais c'est bon. Voilà, et la terre. Attends, il y a toi aussi. Du coup, j'en ai mis deux en un. Enfin, deux. Il y a celui-là et il y a Clara aussi de tout à l'heure que j'avais mis en archer. Mais bon, deux avec des flèches, deux avec pas beaucoup de flèches, ça fait un peu limite. Donc, du coup, bah, je les ai enlevés et je les ai mis plutôt en soldat.
De toute façon, le soldat, c'est mieux que l'archer. Il y a 4 fois plus de villageois ici, c'est pas possible. Tout le monde n'aura pas une profession. Je ne peux pas faire autrement. Bref, là-dedans, nous avons donc des lucky blocks. Nous avons fait les lucky blocks, nous avons fait ça. Et je ne sais pas ce qu'il fallait qu'on fasse après. Si, bah du coup, pas trop le choix, on va être obligé de faire ça. J'avais pas tellement envie de le faire maintenant. J'espérais qu'on ait plus de choses dans les lucky blocks. Mais apparemment, je n'ai pas le choix. On va le faire de suite. On va aller chercher le Stronghold. Parce que, ben, on n'a pas tellement le choix. Donc là, déjà, je vais retourner dans le TARDIS. Parce qu'il faut que j'aille chercher le... Enfin non, la poudre de blaze. Ah, mais je crois que j'en ai plus de poudre de blaze. Ah, j'ai plus de poudre de blaze, je crois. Ah oui, avec les nouvelles coordonnées, on peut très bien aller dans l'End. Mais comme vous avez vu dans la présentation, on tombe dans le vide. Donc c'est pas très intéressant. Ah, quoique. Mais si, c'est très intéressant. Ah, sauf si... Oula. J'ai peur de quelque chose. J'ai peur de faire une connerie. Là, c'est ça, on a plus de poudre. J'ai peur de faire une connerie. Ça peut marcher. On a qu'à tester ça sur la fin de l'épisode. Et puis sinon, ben j'irai le chercher à part. Mais bon. On peut tester. On va se mettre aux coordonnées 0. Mais on va y aller avec le manipulateur de vortex. On va se TP à... Aux mêmes coordonnées, mais à 200. Et puis je vais tenir ça dans la main pour avoir le no fall damage. Et je vais espérer que ça fasse quelque chose. Attention, c'est parti. Coordonnées travel. Et là, on va... Ah. Non. Non. Je ne pensais pas que... Déjà, c'est le moment. C'est bon, là, du coup, on peut obliger de faire comme ça. Adieu, régénération. Salut, je suis un vieux. Je suis un papy qui va faire la guerre du temps. Non, sauf qu'il n'y a pas de guerre du temps. Donc, tant pis, je ne vais pas la faire. Mais en parlant de guerre du temps, on peut faire un truc très intéressant. On peut aller sur Gallifrey et chercher la citadelle. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, à la présentation d'Alec Mode, les coordonnées c'est toujours les mêmes. Alors, j'ai plus qu'à me re-téléporter aux coordonnées. Le problème c'est que je les connais pas vraiment. Mais bon, c'est pas très cool. Je crois que c'est pas très loin. Allez hop. Qu'est-ce que je fabrique moi? Il faut que j'aille refaire apparaître le TARDIS. Donc le tournevis à la con, tu dégages. Vu que c'est plus bien. Et... Oh bonjour! Let's go on Gallifrey! 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 On va faire comme ça. C'était 440. Et c'était 180. Certain travels. Ah. Ça peut être en bas. Parce que ça atterrit trop le plus bas possible. Et là, il y a des jolis traits et une jolie citadelle. Là, j'ai plus qu'à aller à. Dans le travel. Et là, c'était 106. Encore, mais non. Non. Pourquoi? Non, 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 non. Dégage. Ah, c'est dur de frapper. Non. Non. Encore. Le vieux n'aura pas duré longtemps. Salut, je suis de nouveau, je suis 9e, je suis cool. Non, en fait, je suis un voisin. On laisse tomber. Bon, pas avoir tourné sur les frais quand même. Je vais directement me mettre en fait en dessous de la citadelle pour être sûr de ne pas tomber dans le vide comme un abruti. Le problème c'est que j'ai pas pensé à prendre directement Epnir pour éviter le fall damage. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faudrait c'est que je me la mette plutôt dans le 1. Comme ça moi je suis sûr de devoir la prendre. Enfin, de ne pas justement... Enfin si, de la prendre directement quand j'appuie sur 1. Lila. J'aurais peut-être dû mettre un bloc de la pièce pour être sûr de savoir où l'endroit. Non, c'est pas. Je me parle. Bref. T'as fini de te gêner? On va faire 108 parce que j'ai un 12 avec le 106. Je me sens que c'est 108. J'étais 108. Non, pas. Je dois faire 108. Parce que moi, comme ça. Quoi?
Waouh. Peut-être parce que j'atterris dans le mur. Bon, ça va bien. Bon, j'ai failli lancer le... Enfin, j'ai lancé, donc comme il y en a pas, il n'y a pas trop mal. Non, pas weapon, carnet travel. On va réessayer encore une fois le 106. Bon. Il devrait être charmant. Oui, d'accord. Ah, je dois comprendre en fait. Ça y est, je crois que je commence à comprendre. En fait, comme ils ont dit que ça c'était de la roche, Minecraft par lui-même il se dit tiens, là on va mettre du. On va mettre des ressources. Donc la dernière fois j'étais tombé sur du. Merde, comment on appelle ça? Sur du gravier. Et là je suis tombé sur du charbon. D'accord. Ouais, bon, par contre, je peux pas rentrer. On va dire bonjour au Time Lord. Salut les Time Lords! Les Doozles! Comment ça va? Je t'emmerde! T'es tout seul? Tu gardes la citadelle tout seul toi? T'es le président, c'est ça? D'accord. Ok, me réponds pas surtout. Le fait qu'ils ne soient pas nombreux, ça m'énerve un peu. Mais bon, non, c'est bien. Bon, là après, j'ai des ressources à gogo de fer, donc. Comme ça, moi, je suis peinard. Oui, je vous emprunterai votre citadelle pendant. Une centaine de milliers d'années. Voilà. Alors. Ben du coup. Ben on va quand même retourner dans l'Inde. Et j'espère ne pas crever cette fois comme un abruti comme tout à l'heure. Par pitié. On va essayer. Je dis bien on va essayer. Parce que. Parce qu'il faut essayer. Non, l'Inde c'est tout en bas. C'est à la fin. Ah, c'était drôle. C'est un travel. Avant on va tester parce que la dernière fois c'est que je savais pas. Voilà, d'accord. Comme ça moi je suis sûr d'être sur le clavier numérique. Sur le. Avec la majuscule. J'ai rendu. Le travel. 200. Non, c'est travel qu'il faut que je fasse. Quel abruti. Bon. Bah désolé. Encore une fois, mais combien de fois il va falloir se régénérer à la fin? Je suis pas content. Voilà, c'est moi qui déclenche les éclairs ici, ok? Voilà. L'homme qui sème la tempête. Et bien là c'est le cas. Bon par contre la pluie me fait énormément de chute. Me fait une jolie chute FPS. Je tourne plus qu'à 13, là c'est pas possible. Bon bah du coup on va réinverser. Et on va être obligé d'y aller comme ça. Alors en fait je crois que je vais faire une petite coupure le temps d'y aller parce que si bien je ne risque pas de faire quoi que ce soit donc ben voilà. Alors à tout de suite. Et re à tous, ça y est, j'ai trouvé le stronghold. Mais ouais, ben après il n'y a plus qu'à trouver le portail. Ah j'ai trouvé le portail, non je plaisante. Par contre nous sommes quand même très très bas, je tiens à préciser. Deux torches complètement l'une en face de l'autre. Nous sommes tellement très bas que nous ne voyons même pas plus loin que devant nous. Ok, ça je prends. Là-bas nous avons rien du tout. Nous avons les particules de la. De. Ah bah tiens, il est là. Oh ouais, il est très très bas. Oh, c'est horrible comment il est très bas. Il n'y a aucun œil, j'en ai que 4. Bon, ben voilà, c'est bien. C'était magnifique. Je vais essayer de remettre un waypoint, mais. Je sais pas parce que j'ai déjà eu du mal à le. Donc on va virer celui-là, on va en mettre un autre qu'on va réappeler End. C'est bon. Donc déjà celui-là, c'est fait. Bon. Ben là, on est quasiment à la fin de la vidéo. Donc faudrait que je farme les Enderman. Quoi que là, j'ai une autre perle. Alors je vais peut-être. On va faire ça vite fait. Waypoint, on va se téléporter là. Voilà, on va faire ça rapidement. C'est que là j'ai un œil. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est juste Clara avec sa grosse épée. Je vais faire ça très rapidement. Non. Voilà, merci. Je vais aller hop dans le Nether avec le Tardis.
Et je vais chercher un blaze. Salut. Là où il y en a un. Ouais, mais je ne vais pas pouvoir accéder à mon truc. Hop. Salut. J'ai pas le temps de faire avec vous. Je crois que ça sert à rien de les foudroyer, donc on va se faire ça autrement. Là-bas il y a des withers, là-bas il y a des blazes. Ya. Yeah. Wow, 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 wow. Je suis en train de me gérer ça, mais je ne sais même pas comment. Après, je me gère pas, c'est ça. C'est tout en fait. C'est pas je me gère, je ne sais pas comment. C'est juste que je me le gère pas. En fait, j'aimerais bien récupérer le truc de boule de feu là. Pas le boule de feu, le fire resistance. Salut. Salut. Une là et là on peut y aller. Je vais le frapper plus avec celui là je l'ai foutu là haut. Non 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 non, voilà. Non non, est-ce que je l'ai au moins? Wow, wow, wow. Je l'ai donc. Waypoint maison travel, au revoir. Le blaze il a rien compris. On refait apparaître la service avant de se le perdre. Salut. Et voilà, donc du coup on peut déjà faire ça. Hop, hop, hop. Waypoint. End. Travel. On peut bouffer. Et placer un autre œil. En gros, il en reste 7. Ça va pas être de la tarte. Mais on pourra peut-être quand même faire quelque chose. Alors on se dit à la prochaine. D'accord. À la prochaine pour une pour le dernier. Enfin le prochain épisode, parce que ce sera pas le dernier. Après il faudra que je tue le dragon, il faudra que je farme les perles. Il faudra que je farme aussi les blazes. Que je crafte tout ça. Et après on est bon. Donc à la prochaine.